Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a le Discord de Yakipon qui clignote sur l'écran et c'est magnifique. Là, je suis On dirait que son désolé. radiateur, c'est un battement de cœur. Mais. Regardez la pulsation cardiaque de Yakipon à l'écran. Clique sur les feuilles! Bonjour les gens. Oui, je clique sur les feuilles. Waouh, regarde! Oh mon Dieu, il y a des mini-pommes partout. Pom 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 pom. Oh là Est-ce que là, tu oh veux là pas là. dire bonjour à tout le monde en attendant, vu qu'ils sont en train de C'est ce faire que je pareil viens de sur les faire. autres? D'accord. Voilà. Juste en cliquant partout, t'as Oui, dit j'ai dit bonjour tout le bonjour tout le monde? monde en même temps, je l'ai dit. Je l'ai pas entendu, Et je suis oui, je dingue. demande la vidéo arbitrage. Ah non, je te crois, c'est Trop juste que je l'ai pas tard. entendu. Vidéo arbitrage. Bon, bah je vais y aller, moi. Bonjour tout le monde, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les différents streams de chez Imra, Nino et Ivasound Studio. Ici Jake, accompagné ben justement de Imra et Nino et Yakipon, bien sûr, pour Le chauffage. la dernière session de l'an 1 de Stardew Valley, parce qu'on va terminer la première année là maintenant ce soir. Du coup, on va avoir l'événement de Noël et tout, ça va être beau, ça va être magnifique. Est-ce que mes camarades sont prêts et prêtes? On est chaud, on est chaud, on est chaud. Oui. Manque d'enthousiasme à côté. Alors je clique sur coop, j'attends que j'y vais lentement le temps que Imra réagisse. Non, mais Je je crois qu'Imra, il monte a un la souci là en fait. story. Ah bon? Genre vraiment, ouais, son live est devenu tout violet avec Twitch. Hello, if you're seeing J'étais this, mute, c'est send your tout, mais note je suis là. already. Et ton J'étais live mute est... Discord, mais je suis bien là. Tout est ok, on peut y aller quand tu veux, mon cher ami. Attends, mais. D'accord. Ah ouais, c'est revenu. Mais c'est fou! Il y avait un écran violet C'est de la en me disant oui, magie. Twitch il est pas Ah, mais gentil c'est dingue. avec Imra Non, et mais c'est tout. peut-être sa C'est transition de quand incroyable. il est parce qu'il passe d'un jeu Ah, à mais l'autre. toi tu l'as aussi, Jake. Exactement, c'était une transi. What? Genre, hello if you're seeing this and you're not already on twitch.tv, click here to get the best Twitch experience. Ah, c'est peut-être parce que je suis en multistream et que ça bug parfois. Est-ce que le chat peut me dire que Peut-être. le live est toujours là? Le live est là, c'est quand je suis sur ton live à toi, tout va bien, mais quand je suis sur le multistream, ben t'as des. Ben là maintenant c'est Nino qui vient se le bouffer. C'est vous êtes en ligne, hein, on vous entend tout ça, mais enfin c'est bizarre. C'est Twitch qui me dit, hé, Tout se au passe lieu de bien. prendre multistream, tu veux pas faire un stream à la fois? Ça serait mieux. D'accord. Bah, du coup, Bizarrement. bon, c'est peut-être le lien multistream ou peut-être juste Yakipon qui a du mal sur le multistream Et voilà, en c'est lui-même. toujours ma faute, hein. Non, non, Enfin, c'est je pas dis grave. que ça peut venir de. Non, j'ai compris, j'ai compris, Le j'ai code est dans le compris. canal stream sur Discord, mes chers amis. Dépêchez-vous avant que les inconnus nous rejoignent. Nous sommes le jeudi 18 hiver, parce qu'il n'y a pas vraiment de mois précis dans Stardew Valley. En réalité, nous sommes le 11 janvier 2021. Et c'est la fin du monde, n'est toujours pas là, quoique. Quoique. Vous avez remarqué que, comme à chaque fois, j'ai arrosé le lit. Sinon, ça. Oui. J'ai toujours pas fait exprès, mais. Moi, je suis S'il recontent de existe voir des les couches pour feuilles ce type de sans. problème d'incontinence. Je sais, j'en ai vu dans Rayon, je sais. Voilà. Je dis ça comme ça peut t'aider. Oui, mais. Bah, surtout parce qu'il y a d'autres personnes qui se permettent de dormir dans ton lit, surtout pour eux, en fait, hein. En plus, ouais. J'ai des gens qui viennent Moi, dans j'essaie mon de lit et m'entendre, en plus je moi. pisse dedans. C'est bizarre. Bonjour Jake, j'aimerais vous donner quelques informations sur un événement à venir, la fête de l'étoile hivernale. Et non pas, oui, bon, Noël, tout ça. C'est le moment pour la communauté de se rassembler, d'apprécier toute la bonne fortune que nous avons eue cette année. Bonne fortune, y compris argent et chance. C'est surtout chance qui est dit ici. L'une des traditions préférées est l'échange de cadeaux secrets, ou Secret Santa, où tous les habitants du village sont attribués au hasard à quelqu'un d'autre. Le jour du festival, tout le monde apporte un cadeau à son ami secret et le surprend avec quelque chose de spécial. Cette année, mon ami secret à moi, c'est Pierre. Je ne dois le dire à personne. Donc personne, mon ami secret est Pierre. La fête aura lieu le 25 de 10h à 14h sur la place du village. À bientôt. Voilà. Donc Pierre, c'est l'épicier, je vérifie. C'est ça, c'est lui, c'est sûr. Ouais. Et C'est vous, ça, mes c'est lui, chers c'est sûr. amis, personne qui est votre ami secret ou secrète? J'y vais, je dis bonjour aux poules là au passage. Je vais ranger les baies C'était rouges entre parce mon que chemin, entre ta maison il y a et la mienne. Super Saiyan, il avait pas aimé les baies, du coup je vais les ranger. Ah, tu vois? Chef, il a marre d'avoir la diarrhée. Ah, moi, il y a Emily qui me dit, tiens, tu peux faire de la salade. Ensuite, j'ai Kling qui me dit, apporte-moi un lingot de fer. Ensuite, j'ai Marnie qui me file de la paille. Ça, c'est bien. Et
L'étoile hivernale. Moi, c'est Jody. Je m'en fiche de Jody, pour être poli. Oh, la violence. Genre, je vais lui offrir une boîte de cornichons, elle va être contente. Mais du coup... Oh non, je vais lui offrir de la mayonnaise. Ah, si, il faut pour bien faire. Genre, chèque. Et Pierre, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il aime, Pierre. Faut aller sur le wiki. Ouais. Oh, bon, tant pis, Jody, elle aura droit de la mayo. Dites-moi dans le chat, l'ami Pierre de Stardew Valley, qu'est-ce qu'il aime en cadeau? Là, vous me dites un gâteau au chocolat et c'est la galère. Tu vas lui donner. Je sais pas. Il adore les calamars frits. Des cailloux. Des calamars frits. Ou des cailloux. Des cailloux. Mais non, des cailloux, c'est une blague, rassurez-moi. J'ai une statue de poulet. Une blague. On l'a déjà donnée au musée, la statue de poulet. Oh, elle aime plein de minerais, je vais pouvoir prendre n'importe quoi. Je ne sais pas du tout. Nous devions faire. Pendant l'événement, faudra lui donner, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais regarder s'il y a une quête à faire. Où est-ce qu'on nous annétions? Eh bien, dans les quêtes, on avait terminé pour. Comment ça s'appelle? Pour celle de la semaine, on l'avait fait très vite, c'était pêcher 20 poissons. On doit s'occuper des animaux, comme d'hab. Et après, ben, je pense que c'est du minage. Si on peut, un peu de bois, enfin, j'en sais rien. En vrai, il n'y a pas grand chose là à faire. D'accord. La quête du jour à l'épicerie, c'est le sorcier qui demande de tuer un jeune calamar élémentaire dans la mine. Ah mais c'est quelle mine du coup, parce que ça je sais pas. Le jeune calamar élémentaire, je n'ai jamais vu. J'ai donné ma statue du poulet. Ah, on a une nouvelle récompense au musée. J'arrive. C'est trop bien. Et c'est... une sculpture de poulet. Sérieux? Au secours. Bah yes, on est content. Allez, moi je me casse, hein. Je laisse tout chez lui, quoi. J'en ai marre qu'il me donne des bêtises. Dégueulasse, ah mais Jody c'est celle qui connaît le plus. Ah non c'est Pam. Attends mais c'est qui Jody alors? Bah ça c'est demain qu'il faut leur donner, d'accord hein. Non pas. C'est pas forcément demain, c'est le jour de Noël là. Ouais je pense aussi. Ah, on va regarder, on va regarder au calendrier de l'épicerie, ça serait indiqué de toute façon. Nino, est-ce que tu es toujours sur tes coffres ou tu fais autre chose du coup? Quel est ton programme à toi Nino? Je suis en train de remplir des quêtes là. Je m'occupe jamais de mon journal, donc là aujourd'hui c'est journal. D'accord, très bien. C'est une bonne chose. L'événement c'est une semaine tout pile, ce sera le 20. Très bien. Voilà. Ok, super. On a un problème dans la ferme. C'est que le chat est souvent devant la grotte des champignons et on peut pas y accéder ou alors très très mal. Bah tu le pousses. Sur la tête. Ok d'accord. Non mais tu le pousses gentiment. Excuse-moi de vous avoir dérangé. Moi j'y vais. Ça. Allez bisous. Merci, c'était une belle journée aujourd'hui sur Stardew Valley. Retrouvez-moi tous les jeudis à la grainerie. Bah justement. Allez bisous. Mercredi. Ah ouais tu vas mercredi? Je sais pas si c'est visio ou distanciel encore. Je le saurai demain matin. D'accord. Je vais demander. Dites-moi vite si je dois prendre le train ou pas. J'avoue. Que je prenne mes billets à l'avance. Enfin, et t'ont dit non. Non, ça, on décide, ça sera décidé demain matin. En gros, je verrai ça par mail. Ah, j'imagine tellement. Non. On ouvre toujours pas aux animaux, c'est ça. Ouais, toujours pas. Non. Okay. C'est froid. Ah, je regardais les temps, je n'avais pas vu comment il était. Le puits sert à quoi exactement? À part ramasser à remplir d'eau. Voilà. Mais là par exemple, il y a un seau d'eau dans le puits, je fais comment pour le récupérer? En fait, tu cliques droit avec ton arrosoir sur le puits et ça va te le remplir. Et c'est tout. Ah bon? Mais ça valait le coup de faire un petit puits, n'est-ce pas? Et ça fonctionne pas. Mais s'il est déjà plein ton arrosoir. Mais non, regarde. Il a tout cassé. Il a tout cassé. Bah, je ne sais pas. Je fais pipi contre la clôture.
Bah, une fois, moi, je l'avais fait, ça avait fonctionné, j'avais pas eu de problème. Ah, si tu te sens mieux après, écoute. Ne fais pas ça. C'est suspicieux quand même. Juste... C'est très très suspicieux. Ça peut causer des problèmes. C'est assez suspicieux le puits. Pardon. C'est bon. Bah non, regarde. Je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas comment fonctionne le puits. Ah bah... Non plus. Bah, je viens de spam clic et là ça fonctionne. Pas compris. D'accord. C'est de la magie, Harry. Et ça, c'est... Là, je comprends pas non plus, donc je vais te dire oui. J'ai pas compris. Genre, j'ai pas compris. En mode oui, monsieur. Il y a des trains à 7h. Et le couvre-feu, là. Non, mais ça fait partie du service public. C'est ça. C'est un minimum. Il y a le minimum de transport, c'est obligatoire. Mais je ne savais pas. Et dans ce cas-là, si les flics ils t'arrêtent pour ça, ils vont dire non, monsieur, c'est pas vrai. Et Non, ton billet de train, c'est ton attestation. Très bien. Il faut garder le billet. Ouais. Ben voilà, ben c'est une bonne chose à savoir. Tu vois, je pose des vraies questions. Des questions de société. Je pose pour des le bien de la communauté. J'avoue. Non, en vrai, c'est une bonne question que je me posais, je trouve. Répondre à vos questions. Oui. Non, c'était temps, il y a que des on va faire de la libre antenne, nous aussi. Toute la nuit. Non. Nous répondons à vos questions. Toute la nuit, ça fait peut-être beaucoup, quand même. Voilà. Ouais. Après, il y a du dévouement, mais bon. Est-ce que ça fonctionne ? Chala. Pourquoi ? Pourquoi ? Pas la vachette. Mais pourquoi j'ai ça en tête? Je sais pas. Mais après, on peut te mettre autre chose en tête. Hein. Non. Genre, il y a beaucoup d'émissions sympas sur France 3. Non, mais. Et notamment, hommage à. Je te mets en tête le générique de Thalassa. Oui, mais ça, je l'ai eu tout à l'heure, t'inquiète pas. Ouais. C'était. Ouais. Sachez que Thalassa, l'émission, enfin même si Georges Bernoulli n'est la plus animée depuis 2017, 2016, je sais plus, l'émission existe toujours, hein, c'est le dimanche après-midi sur France 3. Ah ouais, je sais même pas. C'est animé par Sabine, comment elle s'appelle, Quintou, je crois qu'elle s'appelle. Sabine 2, c'est pas sorcier. Sabine Paturel. Non, Sabine Paturel, elle fait que c'est des pas bêtises. Pas la même. Non, Sabine Cantu, c'est de C'est pas sorcier. À l'époque, elle C'est pas sorcier de l'époque. C'était la petite voix. Ah non, Sabine Cantu, c'est pas la petite voix. Sabine Cantu, c'était Sabine. C'est Sabine. Ah bon ? Oui. Mais oui. Je suis outré. Moi aussi. Je suis outré par ta non-connaissance de Sabine. Non, mais moi, si on change mes souvenirs aussi, c'est pas ma faute. Hein. J'avoue. On est bêtes, nous aussi. Ça me dégoûte. J'ai une vraie question pour Nino. Oui. Est-ce que le bas de la ferme des animaux va bientôt être fermé? Parce que quand on va retourner au printemps, il va falloir réouvrir. Il va falloir que je ferme. D'accord. Faut tous se barrer. Ouais, c'est ça, genre enfin on va tous se barrer. Enfin, libre. On est libre. La ferme se rebelle. C'est ça. Dobby est un elfe libre. La ferme se rebelle. Dobby n'est pas un vilain oubli de joufflu. J'ai essayé de plusieurs problèmes. Oui, il faut que je m'en occupe. Ok. C'est, je viens de le voir, là, monsieur Tel. Je lui pose la question. Mon dieu, j'ai éternué. Ah, tes souhaits. Tes souhaits. Bon, j'ai éternué. On n'a rien entendu, on n'en a pas eu la preuve. Ah ouais, j'ai mute là, j'ai éternué au moins 5 fois là, ça va. Je suis épuisé. Épuisette alors.
mangé trop poivré. Hein? Tu as mangé trop poivré. Je ne mange jamais trop poivré, déjà. Parce que le poivre, c'est la vie. Mais non, c'est... Je sais pas. Je me suis baladé aujourd'hui. Enfin, baladé. J'ai fait une petite course extérieure, on va dire ça comme ça. Et tu as gagné? On a changé de box. Ah, ça y est, elle a changé? Ouais, une box. Ouais. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et on a en Wi-Fi 5 fois plus de débit qu'avant, alors que c'était les mêmes configs. C'était juste le matériel qui était pas ouf. Ouais, 5 fois, ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, bah elle était pas abîmée là. L'ancienne box, elle était juste vieille quoi. Comme quoi, pensez à changer votre box assez régulièrement. Sinon, c'est l'enfer. Oh, cette statue de poulet. Allez, première journée. Ah, c'est là. Combien? Ah, je suis déçu.